Une émission de réalisée sous télévision nationale d'Haïti avec l'économiste Edia Rémy. Il était clair que si nous avons besoin de créer richesse, il faut nous encourager, petit à quoi une entreprise. Il est intéressant pour nous encadrer. Les gens qui ont l'idée, les gens qui ont envie de faire business, les gens qui ont envie de développer business, les gens qui ont envie de créer des jobs dans le pays. Et là, matin, on pourrait regarder avec le responsable IBA en plateforme qui veut aller dans ce sens, qui est établi en Chine, qui voulait croire qu'il est établi en Haïti. La question sur quoi est présence, sur capable de faire une différence dans le pays. Et c'est fondateur Ima Groupla, qui est avec nous en studio, Marcus Bureau. Et c'est avec lui, nous prenons le festival Boussard, la mise au point aujourd'hui. Monsieur Bureau, son plaisir pour nous recevoir matin. Merci, Ampil et Serge Ndolendor. Et son plaisir pour moi, tout pour moi. Et m'a suivi longtemps. Et je dis merci de ce que vous avez pour moi partager avec tout le monde qui est Ima Business Group. Parfait. Avant d'entrer dans l'imam, présentez mon nom qui est-ce. Bon, qui est-ce, moi, Marcus Bouéo, et moi, son ancien Saint-Louis de Gonzague, et de la 12e Manafilo, et on aussi boursier de République d'Haïti, côté moi, gain en bourse pour me faire licence moi à Taïwan, et maîtrise moi en République de Chine, c'est ça qui fait moi, gain bientôt 8 ans depuis moi, établi en Asie. Et là, je dis, je suis content pour mon pays et pour me parler exactement de toute activité que peut-être que je fais en Asie et nouvelle création qui c'est IMA. Mais qui discipline et, commerce international. Commerce international, et ça fait, bon voilà, je fais une licence là-dedans et je fais une maîtrise là-dedans avec un mineur en finance. Mais comment tu fais pour venir ça? Et c'est, moi, c'est une sortie d'un journal pour me dire, parce que. Moi, c'est la première promotion en 2008, ça fait bientôt 10 ans, qui était un concours que l'ambassade de Taïwan a lancé. Okay? Et que moi, j'étais dans le journal et que j'ai répondu à critères. Ensuite, j'ai participé. Et heureusement, j'étais parmi 8 personnes qui étaient choisies pour aller à Taïwan. C'est comme ça que toute aventure a commencé en Asie. Enfin, voilà. Là, maintenant, on arrive en Asie, et très loin du pays où Haïti. Ah, très loin. Comment l'intégration? Oh, difficile. Et. Pour qui ça difficile? Parce que c'est vraiment bon. Tu as 18-19 ans. Tu as rentré dans 19 ans. Et côté, tout ça, c'est de bâle, pas même imaginer qui est possible. Pour jouer une langue aussi difficile, on mange qu'on pas qu'à manger. C'est comme ça que je toujours dit. Et en culture, en adaptation, parce que chinois lui-même, asiatique là lui-même, il est différent de nous. Ok? De par exemple le genre que mon yo respecte le de un paquet bagage qui vient faire que ou même qui sorti loin qu'on pas habitué li prend temps moi me toujours dit li prend au moins 6 mois pour me te sentir que deux pays Taïwan au début et qui ça qui sorti faire pour te arriver faire en place et dans mi-temps et chinois dans mi-temps asiatique pendant et au début vraiment vraiment intéressant question ça parce que moi comme c'est après 2 ans côté première année à m'apprendre chinois c'est ça condition de bousslanté ou apprendre chinois full time de 8h à 4h chinois ensuite dans deuxième année et moi Taïwan première année université j'ai participé dans un concours de chant ok côté qui c'est type American Idol et baron tout à parler de chant de concours ça côté que moi-même moi j'ai fini 5e finaliste j'ai été par premier étranger qui est arrivé dans 10 finalistes dans le genre de concours national. Ça. C'est vraiment ça qui te mette sous les feux de projecteur. Et à partir de chanter, moi viens jouer tout, moi fais des séries de télévision, moi fais des le Broadway côté théâtre et pendant 3 mois à jouer et pour un public chinois. Dans l'Asie asiatique? Toute expérience en Asie faite en mandarin. Oui. Yeah, okay. Ouais. C'est exactement comme ça que toute pour moi l'aventure a commencé avec un concours que je suis allé et participer dans l'été. Ensuite, que moi arrivé et craser les barrières parce que son concours gagne pas tout. Je plus de 20 ans depuis l'exister et que moi-même je suis arrivé premier, pas premier noir seulement, mais premier étranger qui est arrivé dans 10 finalistes. Et ça a vraiment ouvert l'autre porte pour moi et en Asie. L'arrivée, ça finit à penser de Haïti. L'on parle avec vous. Et pour me dire bien. C'est soit ou pas qu'on a du tout, ok? C'est soit pas qu'on Haïti qui côté Haïti et Tahiti, pas qu'on a du tout, ou bien ça qu'on est vraiment c'est une mauvaise perception et pour son pays pauvre, que peut-être nous toujours demander et qui choye et que voilà insécurité et pour moi-même pour me
river l'autre bois pour me vendre un bagage différent d'Haïti pour dire waouh et que oh à pas haïtien intelligent à pas haïtien qui apprend chinois vite à pas haïtien et c'est comme ça nous y pas de connaître et moi même chance que me gagne chaque fois mal en télévision et on émission télévision l'autre bois moi toujours pas pour montrer on meilleure image du pays montrer qui ça qui peut-être pas et journal international yo mais que gon face caché d'Haïti qui c'est l'intelligence qui haïtien très débrouillard nous remet travail nous comment c'est vendre image ça que peut-être me penser que et à chaque fois que m'a continué faire d'ailleurs jusqu'à présent ou pas sur les étudiants haïtiens qui te bénéficier pour ça mm-hmm. comment vous plateyer par rapport à vous même eh bien vous faites parler le lit là et 0000 c'est une promotion côté et noté nous 8 et 0 c'est mon frère noté vraiment au début des monde qui pas comme déjà dit connaît comment aventure ta parler pour Taïwan parce que son risque le ou gain 18 ans 19 ans ou dit qu'on va le Taïwan mais forme du que nous était très supporté et même genre que moi même supporté dire c'est vraiment un groupe solide côté chaque monde qui a vendre tête aux gens pour gens capable et avec potentialité parle moi même moi me dit me commencer dans musique qu'on a dans aspect business mais ils sont son économiste nous gain Rose Camille qui qu'on l'autre qui a fait PhD et doctoral en Hollande chaque monde fait bout de chemin par eux avec potentialité par eux et me dit son promotion pour me fier de lui parce que nous ouvert porte pour l'autre haïtien l'autre jeune qui a regardé qui dit oh parce que c'est une nouvelle donnée nous parlons États-Unis nous parlons Cuba nous parlons à côté à là mais aller loin en Asie mais nous arrivons bas résultat. Bah, résultat c'est ça qui est intéressant parfait parce qu'on peut faire des jeunes qui quittent le pays et puis leur arriver au lieu pour étudier ou faire de l'autre choix oui. Et finalement même gouvernement qu'on a accueilli qu'on a demandé pour retourner la caille qu'on a demandé pour retourner la caille et heureux, ça pas arrivé dans heureusement pour nous ça pas arrivé et y a une barre que parce qui est intéressant à Taïwan c'est que yo encourage pour étudier nous sommes premier semestre que me arrivé dans le commence université et premier semestre en premier ensuite après me tendez me te gon prime de 10 000 yuan qui c'est $300 américains pour un étudiant son paquet de l'argent. Vous comprenez? Et puis il me dit, oh, et bien, je vais le payer premier. Vous comprenez? Qui vient faire que, il est encouragé. Et pour même l'arrivée là, il dit, waouh, femme vend, ou une obligation par rapport à vous-même, personnel, ou obligation par rapport à la famille, qu'on va aller loin, et par rapport à pays où, parce que le tableau d'honneur a sorti, il dit Marcus Bouéo, ensuite, c'est Haïti qui va côté. Qui sont encouragés. Regarde l'expérience que vous faites, qui est-ce que l'expérience t'a aidé ou? Vin bay la kay on bourad vin fè la kay sorti côté lier ah ben oui carrément moi me pense mon grand amour extraordinaire mon grand amour vraiment grand pour Haïti et moi dit que moi connais ma haïtien vraiment c'est le al Taïwan parce que on dit dans concours chant mon relèm Haïti mal la télévision c'est Haïti mon nous connaît que gon jeune haïtien qui vin fait que ou vin gon sentiment de fierté que c'est son yé nous c'est Haïti et kounya moi même comment que m'a vendre tête mon l'autre bois comment m'ka aider Haïti que toute perception gain de l'IA comment m'ka aider pays ça vinn mieux et c'est dans optique ça que moi même soit avec compagnie PAM ou bien l'homme défini étude en Taïwan que m'était tourné Haïti j'ai tourné Haïti pendant 3 ans et m'était directeur facilitation dans CFI côté m'ta travail en administration publique aider entreprise et mettre au sous pied pour moi même c'est ça c'est comment c'est toujours dans tête moi comment me ca aider communauté à en retour par rapport à moi même qui ton jeune qui bénéficie d'Haïti parce que moi j'ai une bourse d'études et m'a continuer toujours avec tout l'autre projet que m'a gagne faire on va continuer on va parler de ça et Marcus Bureau mais au fait Taïwan et pas commencé trop longtemps la route que Taïwan prend je veux dire que c'est pays allié la caide étudiant une la cale une prend bête il va commencer longtemps dans les années 90 là nous même nous avons choisi faire l'autre bagaille nous même l'regarde expérience Taïwan regarde nous aujourd'hui qui sont qu'on t'a tiré comme leçon de ça Taïwan est arrivé faire pays aujourd'hui voilà. Qui c'est modèle ça a cap aider cap bay bourad et cap bonne bourad en pile moi pense Taïwan c'est vraiment tant qu'on dit son exemple pour nous suivre parce que 50 ans de ça 70 ans de ça Taïwan c'est vraiment un pays qui peut quoi Taïwan aujourd'hui et parce que même niveau avec nous notre même niveau et 1950 c'est vraiment côté Taïwan commencer chaîne de développement moi pense ce premier bagage là c'est vision ou regarder côté Taïwan à l'époque il dit bon moi voulais venir tel pays OK moi voulais venir tel pays et vision bon paquet de bagages qui vient là et discipline OK gien tête ensemble parce que parti ça me pense que nous pour arriver là OK parce que tout autant on peut penser pour ta gien des monde qui penser pour pays
pour prendre un intérêt personnel, mettre la côté pour dire bon, m'a travaille pour Haïti, then ou pour atteindre l'objectif ça. Et on regarde Taïwanéa, c'est sacrifice ça le fait. Côté que voilà, il était gain des pressions pour dire comment ça passé, nous prenons le travail ensemble et au grand pile pression politique parce que vous connaissez l'histoire que Taïwan, province rebelle de la Chine, sous le plan et politique internationale, qui vient faire que vous dites comment ça passé, moi-même prenons le travail. Même si, bon, ou capable de reconnaître, parce que les pays ne reconnaissent pas, mais comment nous avons développé, et pour nous, un bagage qui est très important, c'est l'éducation. Ok? Quand vous regardez que Taïwan est là, et s'il sortit à l'étude à l'étranger, mais il tournait au Taïwan pour venir partager l'expérience avec nous, pour venir créer des jobs. Et c'est là, je pense que toute partie ça, nous-mêmes, c'est pas, par exemple, l'on cerveau aller, nous, quand pile monde, on fuit de cerveau et un pourcentage extraordinaire, c'est là où nous aller peut-être pour dire, au fond, ça qui passe, qui ça me cabaye à Haïti de retour. C'est Taïwan, son modèle à suivre, ok? Par rapport à Jean, il était commencé par rapport à Jean Likounia et on a regardé tout et c'est vraiment une croissance économique et extraordinaire. Mais qui ça peut-être si Taïwan a gagné en plus nous? Qui fait que je veux dire, on fait ça dans le nouveau café Manoir? Ah, discipline. C'est discipline très important. Ok? C'est des mouns, par exemple, et moi-même, le mouns et l'autre bois, c'est une bagaille que je m'apprenne. Ok? Taïwan a 8 heures. Ok? Et l'un fait crier une anecdote, nous avons fait carte de résidence nous, il était dit bus cap déplacé à 8h03. Nous t'arrive à 8h05 bus ça devait aller. Vous avez dit bus ça. Vous avez dit bus ça. OK? C'est pour me dire comment mon yo c'est comme ça qui vient faire que tout système dans Taïwan ou pas besoin bon support publicitaire pour dire pas jeter pas dans la rue. Il connaît que le pas jeter parce que il pas bon pour communauté. OK? Et l'air que la respirer pas bon pour lui qui vient faire que bon conscience et de population qui dit bon m'a supporté un gouvernement quitte les Kuomintang quitte les Kuomintang m'a c'est Taïwan c'est pas un parti politique mais c'est pour le bien de Taïwan discipline vision on te parler de lui et m'pense on l'autre aspect que m'te remarqué l'autre bois qui était très intéressant le m'ta étudié m'a regardé par exemple un directeur de centre de langue côté NTEA les après-midi 6h de l'après-midi là j'étais fatra. OK, c'est pas un pays qui a là qu'un titre que parce que mon ata un directeur bac en jeté fadra. C'est pour montrer au côté que tout le monde est vraiment yo mettez soit un orgueil personnel à côté pour dire bon, comme son communauté, si mon fadra la caille moi, même si son directeur forme que jeté le tout. C'est vraiment un paquet et je mental penser qui allait avec des caractères. C'est tout dans l'éducation. C'est tout dans l'éducation. Mais ça qui est intéressant, c'est que l'on regarde des pays comme Taïwan ou Rwanda qui c'est un cas récent, c'est il prend un pays 20-30 ans pour le sortir dans l'espace de vraiment une pauvreté extraordinaire à un niveau de développement. C'est-à-dire, si vraiment nous avons commencé à avoir une vision pour nous dire, mais comment nous voulons Haïti dans 20 ans, mais comment nous voulons Haïti dans 30 ans, ça arrive que après effectivement, nous comptons. Il faut commencer. Il faut faire des choix. Parce que là, dans l'année 90-91, vous savez comment on a daté, vous décidez, font faire des choix. Fait des choix. Et puis qui peut être que vous dites là, et vous assumez les choix. Et des choix qui ne sont pas obligés de faire tout le monde content. Et c'est là. Qui est intéressant parce que là où on pays ou à gérer ou pas qu'à satisfaire tout le monde. OK, ou pas qu'à dire parce que un tel a fâché ou non. Ou fait des choix à partir sur base d'une vision. Ou pas qu'à rester en égal ou faire un choix comme ça, sous qui est-ce qu'on vision ou une vision pour accomplir A et même faire choix A B C. C'est pas choix ou faut rationnel. Il faut que j'en dis à l'inscrire dans non, vision. Non vision. Ça change dans la vous après étudier en Taïwan. En pile. Moi pense bon, par contre le m'a regardé peut-être Marcus qui commence peut-être comme à 10 ans de ça que moi et quitter Haïti pour Taïwan et par contre vision me changer, j'ai moins relation avec moun parce que c'est une bagarre que m'apprendre Taïwan côté c'est vraiment c'est jamais en relation en titre à en titre mais moun à moun, OK? Et qui ça encore moins une responsable, OK? Par exemple matin là où dit 8h 7h et 7h35 on est devant. Vous comprenez? Même si dit pas la privacité. Même si dit pas la privacité, même bon mange, mais c'est pour me dire que et parce que là bon, c'est des signes de respect que oui.
qui vient faire que ou même si je commence très jeune mais dans l'administration publique, c'est à cause de discipline moi qui fait que mon dégage espace qui ouvert pour moi. OK? Et on passe bon changement qui fait et c'est un changement extraordinaire. Ou peut-être encourager de l'autre jeune faire même expérience. Ah ben fait. oui et me passe programme Boussa toujours là. Programme Boussa toujours là et pendant un bon temps c'est moi qui était président association des anciens Taïwan côté que moi tu aller dans les écoles et me partager expérience moi et très content ouais chaque année que quota Boussa là pour augmenter et que des jeunes qui disent oh et que et expérience ou t'es encouragé à aller Taïwan parce que pour un pile même pour des parents. OK yo ah moi petit moi loin comme ça et c'est moi même tout j'ai des amis au Taïwan sont pas du coup loin comme ça mais pour montrer mon yo que ou ca loin mais de pour mettre discipline dans la vie ou que ou dit bon mais ça veut réaliser moi même bon c'est avec chanter comme te dit tout bail commencer pour moi mon gars de Mike Bello par exemple c'est un jeune qui saute faire solo bag avec et on lamp. Chaque monde a fait par yo et chaque monde a créé et c'est ça Asia. Asia pas grand monde qui arrive en Asie loin comme ça pour dire l'a dormi. Ou tout le monde rencontré, les grandes activités l'a fait, les grands projets que l'a travaillé sur lui et c'est ça vraiment encourageant de participer. Parce que effectivement on dit loin mais on l'a calé là peut-être la caille voisin et puis qu'elle fait des autres et puis par à payer à investir et puis finalement après 4 5 ans il a diplôme dans l'huile. Voilà, oui, ça arrive. Et pas que la pas question de loin vraiment. Il pas en question de loin, il question de me dit personnel, est-ce que ti moun nan ki vision l'rive l'autre bois parce que mon cadre pour moi rive moi tal l'enchanté et après m'vin mon carrière nan télévision en Taïwan mais ça pas empêché que le pour travail pour l'école là m'fèl et une satisfaction pour moi même et pour parents tout c'est que malgré tout ça m'ta fait nan télévision moi fini troisième lauréat le m'a gradué nan police en ce moment. Parfait. Et ça pour moi c'est l'été encourager que oui si vous avez une activité au café fait mais l'école là tout c'est les priorités. Pourquoi ça tourne à Haïti? Moi tourne à Haïti et bon basta là définitivement parce que c'est moi toujours à vivre en Grande Chine. Ah, toujours moi toujours à vivre en Asie mais et moi faire des va-et-vient. OK et long périple ça hein. Ah oui combien heures de voyage? Oh ça va dépendre gagne fois me faire d'un coup qui c'est une journée et demie de voyage mais de l'heure moins font stop aux États-Unis me sentir mieux mais soit prendre heure de vol yo li entre 16h à 20h de temps de vol. C'est ouais, sans compter escale. Ou choisir tourner Haïti quand même. Moi choisir tourner Haïti parce que tant comme jour et moi gain en compagnie qu'il y a qui lié avec Haïti, tout ça moi voulais faire parce que moi pas voulais par exemple rester en Chine et m'a évolué en Chine et puis me quitter Haïti comme ça. Comprendre pour moi-même il pas fait sens c'est garder comment ca aider communauté à avancer soit dans relation commerciale gens nous te qu'on a géré comment pour moi comment pour améliorer et bral parler vraiment en détail de l'autre aspect que moi-même je travaille sur yo et que m'a travaille sur yo jusqu'à kounya. Alors tu as grand ça dit que famille autour marié l'autre bois? Non beaucoup mais bientôt mais famille basée en Haïti et aux États-Unis. Non l'autre bois moi pourquoi? OK. Voilà qui avantage le ballon fou qui fait que vous êtes attaché à elle comme ça. Je pense que pour un jeune et qui est noir, je vais mettre aspect sur noir là parce que c'est l'aimer vivre l'autre bois, tout le monde est noir. Ok? Côté moi-même que je parle chinois, ok? Et que je parle de l'autre langue tout, qui vient faire que bon marché pour moi l'autre bois. Et les bon marché et son marché qui. Comme des gars qui vierge parce que quand il y a en Asie pas quoi gain on 2-3 max c'est 2 ou 3 noirs qui a fait télévision qu'on y a qui vient faire que dans télévision moi gain opportunité pour me vendre en Haïti et différent dans jeu chinois et compagnie dans tout parce que qu'on y a grand pile regard vers la Chine et pour moi même qu'un jeune qui connaît pas les chinois et gain en pile opportunité et si mon café des va-et-vient mais toujours qu'un pays mais développer et toute activité parce que l'autre bagarre encore c'est que l'intéressant long jeune waouh moins content ou on noir dans télévision en Chine parce que ou pas de représentation avant. Alors vous faites télévision? On fait télévision tout. OK. On fait télévision. Vous faites émission? Moins jouer des téléséries. OK. Ensuite moi j'ai des émissions côté moi parler de réalité par exemple c'est une émission côté des étrangers qui
opiner sur ce qui passe en Chine. Et c'est plusieurs plateformes que j'ai en même temps. Côté, voilà, je vends tout ça, mon carvan de positif. Alors, les télévisions privées, télévision l'État? Non, télévision privée, télévision l'État. Et c'est vraiment des grandes chaînes de télévision qui ont une audience extraordinaire que je travaille avec. Vous parlez mandarin couramment? Oui, couramment. Je dis 8 ans. Ça. Et donc, première année, je dis, c'est de 8h à 4h. Et où on bouge d'études, moi il faut gérer ou pas capable prendre chinois parler pour écrire bientôt. Oui, obligé. Et qui fait que bon voilà, avec compagnie qui moi j'ai un an depuis nous ouvert officiellement en Grande Chine côté voilà nous gain mais de Taïwan à Grande Chine et de Taïwan transition pas difficile. Transition c'est qui ça, moi tourner Haïti, je travaille pendant 3 ans. Et puis ça fait un an et demi depuis moi tourné. Quand on fait maîtrise à Grande Chine maintenant. Grande Chine. Moi fais maîtrise en Grande Chine à Shanghai University. Et vous campez là ou pas mal plus loin? Et pour le moment, je campe là. On regarde ça qui m'a là. Ima et Business Group. Et c'est une compagnie vraiment moi comme une plateforme qui pourra changer genre relations commerciales ou bien échange et fait avec la Chine. Il y a 3 aspects dans Ima. Je vais parler de eux. Premier, c'est l'aspect commercial. Côté que nous avons aidé les gens, soit au niveau d'importation ou d'exportation. Importation, c'est aider, pas dire seulement haïtiens, mais c'est aider les étrangers à acheter en Chine. Nous connaissons que étrangers à acheter en Chine, c'est pas seulement Haïti, mais grand pile de gens qui achètent en Chine. Mais c'est vraiment améliorer le service. Là. Parce que un pile de gens prend coup de bas, soit monter sur des websites et. Commande un produit ou bien ou commande un produit là où les produits c'est pas ça nous même nous voulons agir dans toute étape ça yo. Nous aider moun nan commander. OK, ça qu'arrive si moun nan ge fournisseur déjà li dit nous al visiter compagnie pour li nal visiter fournisseur ya. Nous fait des tests sous produit que moun yo a commander ya. Nous fait un check légal sous compagnie que mon ab dit la veille, parce que pour nous avons des compagnies bidon sous internet là. Ensuite nous assurer de logistique là. Et partie exportation est très difficile pour un produit étranger percer marché chinois. Et là où sont casse-tête chinois, sont casse-tête chinois. OK, nous aider des produits étrangers pour entrer en Chine tout. Ça c'est premier aspect. Deuxième, c'est un accompagnement à investisseurs chinois qui veulent investir soit Haïti ou bien dans Caraïbes. Et pour moi même, pour ça, aspect ça important parce que moi pas voulu seulement que relation en acheter vendre parce que il y a plus que nous faire avec. Et c'est là nous voulons changer dynamique là. Côté que tout le monde ça qui veut venir Haïti, nous aider, nous préparer des informations pour eux sur Haïti. Nous prenons logistique là, qui est-ce que vous voulez rencontrer, nous faire en sorte que vous suivi qui fait après tout, c'est très important parce que des fois, nous tendons en pile mission commerciale faite, nous parti arriver là, mais est-ce que vous avez suivi, nous rassurez-nous de suivi. Et troisième aspect qui est très intéressant, qui va venir peut-être fin année ça ou début l'année prochaine, et IMA Business Group CIE, ça fait 3 mois de ça avec une grande compagnie que je vais révéler dans le Gounia en Asie, côté Nabai, on accompagnement à entrepreneurs ou bien des jeunes et haïtiens parce que représentation ça c'est pour Haïti la pied et une exclusivité pour lui côté que nous allons encourager moun sa yo à apprendre d'expertise chinois. OK, et c'est des séances de formation, c'est par exemple gon programme presque même à Shark Tank côté que ou cap un jeune OK qui gon projet et pour faire rencontrer avec un investisseur chinois que si lui-même il t'a intéressé pour l'investir là-dedans. Parfait. Ou bien on produit Haïti. Bon, on dit on produit étranger. Comment c'est planifier des stratégies pour faire produit étranger ça rentrer en Chine mais sous base de concours. OK? C'est un paquet et activités qui vient venir à moi et m'espérer peut-être avoir toujours plateforme ça pour venir partager avec mon yo chaque fois que n'avancer avec. Alors, le premier aspect dans la question et faire produit chinois arriver dans notre pays ou bien l'autre pays produit un pays en Chine. Sauf où c'est intermédiaire. Et exactement, nous jouons un rôle intermédiaire. Et pour qui ça intermédiaire là important? Parce que des fois, nous pensons que intermédiaire là pas important. Intermédiaire là important à cause que, bon, premièrement, nous avons une barrière linguistique. OK, chinois, il ne parle pas l'anglais. Il ne parle pas l'anglais. Il ne parle pas l'anglais parce qu'il veut apprendre le chinois pour lui. OK? Et c'est tout ça, ça rentre tout dans la prédominance là. OK, s'il va apprendre l'anglais, là, non, et l'anglais. Sauf le vouloir apprendre la langue parle là.
nous-mêmes avec tout nous des experts chinois et nous-mêmes moi-même par exemple qui avec des groupes des monde qui nous offrent des services dans plus que 10 langues, OK? Nous rassurons que premièrement communication a bien passé. OK? Que ça moun nan dit c'est exactement ça chinois attendait. Que li pa nan ou pas quitter au bout dans interprétation. Nous rassurons nous que ta comme dit moun s'il bon produit li commander que li connaît que l'œil fin déposer comme ça c'est mon cop qu'il perdu et m'a dit Serginho comment commencer dans iman c'est aider moun sauver l'argent que pral perdu. C'est comme ça moi-même moi commencer. Par exemple des moun que m'pote comme mauvais compagnie qui dit Marcus même que telle compagnie là que m'te font commande mais premier commande passé, deuxième commande passé, troisième commande moun yo pas répondre. Mes numéro cherchez pour moi. OK? Qui vient faire que nous pral réduire prix ça que moun yo connaît que leur y a et interagir avec une compagnie que l'existe. Et l'autre bagaille est que nous voulons très ouvert. C'est si au monde livrer déplacer à la Chine. Ça arrive que nous déplacer à la Chine, il y a pas de support, il y a pas de monde qui encadre l'autre bois. N'a pas des cadres cap aider yo si au besoin des guides touristiques, si au besoin interprète, si au monde t'a besoin des documents parce que l'autre aspect encore c'est que des fois les des négociations cap faites au niveau de traduction des documents tant qu'on dit langage là qu'on pas passer. Nous même n'a pas rassuré nous que tout aspect ça yo vraiment est touché et que relation hein et lika améliorer et que pour gagner meilleur et qualité résultat. Produit et tout parce que en Chine qui sont volume non le produit en pile et parfois et qualité a qu'on laisse à désirer. Est-ce que dans niveau Imar Group nous travaillons tout pour garder qualité ça cap bayo qualité ça vous a pas acheté à vraiment ça vaut la peine. Oui mais ça moi dit leur parler de qualité parce que au départ, tout le monde pensait que la Chine, c'est produit bon marché, mauvaise qualité. Mais Chinois, qu'on y a livré, étant donné que l'on a là déjà, qu'on y a la travail sur qualité. Et un aspect que moi-même, moi toujours demandé aux clients, c'est qui type de qualité vous voulez. Parce que il y a des gens qui cherchent un produit bon marché, qui cherchent un produit qui va durer. Mais un client en Europe, par exemple, livre un produit qualité. OK? Ça dépend vraiment du marché. Nous rassurer nous que qualité que mon nan vle ya et que li joigni parce que nous fait des tests sous produit mon nan a vle acheter un caoutchouc par exemple nan roule caoutchouc nous fait des tests sous chaque produit on mon vle avec qualité qu'on vle ya parce que bon monde qui effectivement ta vle que l'acheter un produit bon marché mais peut-être en qualité qui est plus ou moins passable mais bon monde qui pas gen problème par exemple l'opre et secteur et pharmaceutique là. OK, on monde capable acheter des produits, il pas dans bon marché avant. Livre un produit que le client il prend en pilule que il pas malade, que il pas gagne effet secondaire. Qui vient faire que ça dépend du secteur là et ça dépend du client. Mais ça qui place produit chinois au gagné et pas dans la région Caraïbes là. Oh, dans la région Caraïbes là, avec un pile pays yo numéro 1. au niveau de Caraïbes là de partenaires oui on prend la Jamaïque on prend et Bahamas on prend même République Dominicaine oui même pour Haïti malgré nous pas une relation diplomatique formelle avec la Chine numéro 2 dans ça non trading. Ah bon oui depuis le présent produit chinois aussi. Ah ben oui il est pas obligé bon nous carrément le produit chinois mais c'est des produits provenant de la Chine, parce que chinois, tu vas oublier que les produits pour d'autres compagnies. C'est évident. Ouais, c'est évident. C'est évident. Maintenant, nous avons pile client haïtien là. Oui, et nous avons pile et nous voulons gagner plus toujours. Et c'est peut-être ça que tu as dit moins là. Et ce n'est pas la première fois haïtien a fait business avec la Chine, mais ça qui vient passer dans la relation, son relation que j'ai me dit en bas. Que Serginho bon grand monde, c'est mon pal. OK, mais si Jean-Robert par exemple t'a remé un contact en Chine, il pas gagné. OK, nous voulons ouvrir porte là pour monde ça yo pour qu'on ait que bonne structure en Chine, c'est un haïtien qui cap gérer avec d'autres experts internationaux et que si au besoin nous, il peut contacter nous. Et vous les investisseurs, est-ce que je veux dire il y a des démarches que vous même commencer faire pour t'a l'ouvrir par exemple espace haïtien
montrer l'opportunité de la média pour que des Chinois t'arrivent faire business bien dans le pays. Bien sûr, bien sûr. Et ça qui vient passer sur le volet investissement, des fois, on ne peut pas arriver en pile, parce que c'est des gens qui viennent et ils ne peuvent pas les compétiteurs qu'on est qui viennent en Haïti. Même fier pour me dire que l'année dernière, et l'année fiscale 2016-2017, il y a au moins 6 groupes et d'investisseurs asiatiques qui viennent visiter Haïti dans la perspective de, et pour implanter projet d'investissement, et il y a 3 qui atterrit. Qui commençait déjà? Mm-hmm. Qui peut gérer? Je ne sais pas comme cas dévoilé, mais il y a. Quel secteur par exemple? Secteur textile, mm-hmm. et majoritairement, et il y a un lot dans l'infrastructure. Vous n'êtes pas intéressé dans les affaires énergie? Bon, affaires énergie, on connaît, elles ont affaires super politiques, ok? Et je suis qui a intéressé, mais c'est nous-mêmes qui pouvons, Sergi, nous, partie ça important, c'est nous-mêmes qui pouvons, qui ça nous besoin dans les Chinois. Non, comme vous gagnez un goût, parce que pas gagner des contacts comme ça. Non, mais oui, oui, bien sûr. Et c'est là nous pourrons changer toute dynamique là pour nous voir que comment nous avons premièrement diversifier et intérêt pour pas seulement textile, parce que nous connaissons que oui, Haïti, au niveau textile, nous sommes en position stratégique, premièrement par rapport à la loi Hope Help et par rapport à la position géographique, géopolitique, par rapport aux États-Unis, que moun sa yo vini pour percer le marché américain, mais nous voulons tout encourager d'autres industries. C'est pour ça que nous chita avec des acteurs et locaux pour que comment très important nous ka monter des projets que moi-même si moi gagne en chinois ma parle avec comment pour me présenter, parce que des fois on dit oui vous voulez mon venir dans le secteur énergie, mais qui projet ou bon projet non, mm-hmm. OK, c'est encourager moun sa yo pour peut-être vendre d'autres projets sous d'autres secteurs pour Haïti et tant pour me dire intérêt à là. OK, c'est avec appui pam moi sûr que m'a essayer pour porter plus toujours, mais c'est peut-être ça moi fait dialogue là, moi rentrer assez souvent chita avec acteurs pour voir que comment nous ca et pousser et bon là pio comme on a business ou ca peut-être confirmer et filmer ça nous dit là, mm-hmm. ici mon ouais secteur pour venir là une fois contrairement ici qui de l'autre pour nous dans marché ouais, comme si nous plus tout vraiment un monopole là, un contrôle bah, mm-hmm. Est-ce que dans niveau IMA ça pas obstacle pour nous les vleguer de l'autre investisseur, mm-hmm. qui vient dans marché à qui profite de l'autre bagaille qui t'a continué à déranger, monsieur dame qui l'a, et nous faire effort. Gon effort pour faire. Gon effort pour faire. Et moi, t'ai dit dans le début de l'émission, hein, parce que, pas oublier, ce n'est pas intérêt propre pour seulement comme un businessman. OK? Faut un intérêt Haïti. OK? Ou bon investisseur chinois qui t'a venu, ça m'a fait de très important, dépendant du secteur, moi, toujours battre pour me chita avec les acteurs locaux. OK? Pour dire, mais bon groupe, mais attention, gardez, est-ce que gon champ de partenariat si possible, ou bien si pas possible, c'est garder comment secteur et moun sa li pral opérer dans secteur mais qu'il pas déranger. Et même s'il t'a déranger ça j'ai nous pas parler de déranger personnel. Même dire déranger ça script qu'il faut pas faire tout pour connait tout pour faire qu'on fait yo. Mais moun sur champ concurrence. Nous kick et li dans tout secteur. Et c'est ça qui a crasé le développement économique du pays. Tout autant, nous pas qu'à ouvrir, mais ouvrir avec contrôle. Parce que c'est important. Parce que l'autre dit que nous avons pour le venir pour l'investir. Et partie, ça m'a rassuré. Moi, je suis code d'investissement. Je suis loi sur le travail. Il faut que nous avons des balises. OK? Quand il y a une balise, toute balise, ou dit bon, mais le lab vini, mais qui ça pour le respecter? Parce que l'opcade en Chine et non un secteur qui n'est pas de 10 100 1000 compagnies qui veulent li bon pour marcher. Gardez Jean le bon consommateur à tout. Li bon consommateur tout, gardez les Digicel rentrer, Jean Digicel changer dynamique et télécommunication en Haïti. Imagine aussi Digicel pas rentrer. Nous obligés garder même si en pile plein, oui, nous pas rentrer là, mais c'est pour il y a contre marché net. Il y a contre marché net qui vient faire que par exemple faut c'est au même qui pourrait comment ou ka ouvrir marché là, parce que je pense que son mentalité type pays permet moi dire ça pour penser que obligé gagne contrôle tout bagaille, parce que pas gagne moyen s'ouvre développer, parce que c'est bon boutique ou gagne
son pays ou abdiger. Mais la mentalité boutique là. Et li dérangeant, l'op garder des stratégies de commerce international, li pas qu'a fait j'en a fait là parce que là nous avons une stratégie de vraiment de gouvernance dans boutique. Côté mon nan livre là vend 1 gallon d'huile, c'est lui seulement qui vend 1 gallon d'huile là. Il passe pas payer. Et bien, ça me mal même dans détail hein. Parce que des quartiers si il y a plusieurs monde qui vont dire et puis ça dérange. Il dérange. Mourir une gamme. Voilà. Ça veut dire c'est des mental, c'est ça que femme dou, bon paquet travail et mental qui vous faites pour mon yo que bon voilà, si ou même ou vinn là m'a vend et pantalon ça ou ka vend pantalon pour là, pour qui ça nous pas 40 ans nous. Et c'est là, c'est ça asiatique la fait des fois. Ou pas pour que par exemple non, si gon des business à côté, yo aller visiter l'autre, yo apprendre de stratégie l'autre là et le on asiatique vini et en Haïti. Si on a par exemple, map, par exemple clé dans secteur et textile par exemple, nous gagnons un investisseur qui était pionnier dans textile là, tout le monde demandait pour y aller, monsieur. Il est Daniel Wu. C'est le secret. Oui, mais c'est pour nous paguer. C'est pas pour dire son compétiteur qui a vu. Oui, son compétiteur, mais son monde qui a vu créer une harmonie. Apprendre de l'expérience. Apprendre de l'expérience, monsieur. C'est que tu as besoin d'une après pour le déranger, pour le finir. Il n'y a pas besoin de déranger. Il n'y a pas besoin de déranger. Parce que ça vient parce que chaque monde a un target. Par exemple, ou même moi, je vends un pantalon ça, ou je dis que je vends un pantalon ça pour à tel prix, pour la masse, moun sa vend pantalon ça plus cher pour notre classe. Chaque monde a fait pantalon par eux, non, mesure par eux, pour client par eux. Mais quels sont les plus gros obstacles à attirer l'investissement en Haïti, à faire des gens qui font business dans le pays? Parce que c'est clair, si nous besoin de développer, il faut qu'on crée une richesse, et création de richesse, elle passe quand même par investissement direct et transgène dans le pays, par exemple. Moi, je pense que le plus gros obstacle, c'est li peut-être dans l'odeur et moi t'as regardé dans article que Forbes qui était sorti, c'est l'odeur de procédure administrative, bureaucratie. Ils sont problème, c'est Gino. Ils sont problème grave parce que moi t'ai dit en début, moi fait 3 ans et comme directeur facilitation à CFI côté accompagné qui investit sur et local ou étranger. Mm-hmm. Ou regarder au niveau nous penser, OK, avec avantage incitatif que nous t'a attiré plus étranger. D'ailleurs, sous ça qu'on a offert, on t'a supposé qu'il y a plus investissement direct étranger déjà. Mm-hmm. Sous ça Haïti a offert en tant qu'avantage. OK, l'homme on vinil qui a n'importe de 15 ans maximum de exonération fiscale et douanière et gain l'autre encore. Mais qui ça vient passer? Ou vini voir que mon nan gon misère. Permettez-moi de dire comme ça, gon misère que ou est mon n'a subi que moi même des fois li dérange. Moi le bon exemple clé. Moi gen un groupe que m'a pas dit qui est-ce qui mon yé. Côté que moi yo gen au moins 2 mois. Pas même dit 2 mois, 2 mois pour te joindre un papier dans le ministère. Côté que 2 mois depuis m'entrer en Haïti là en décembre jusqu'à présent nous là toujours ça passe même papier pas disponible pas soit papier pas disponible papier t'as supposé là qu'on va regarder dans régio mon douce al côté Sergino l'autre côté rivé Sergino du al côté Jean-Pierre l'autre rivé Jean-Pierre dit oh parce que on pense c'était Sergino oui qui vient faire que pagay peut-être en ken là ça passe ça on nous dira qu'est-ce qu'il a fait ou bien. Et mais pas gain pas gain au cap pas gain job là mais tout pas gain on marche à suivre clair de procédure là. Non mais job c'est fait tout, c'est fait quand même bon ça. Nous que nous bail nous on livrer que nous sorti un livret de facilitation que moi même l'homme de directeur de facilitation que nous sorti. Mais pour le ça toujours bon. Non mais nous chita avec acteur au Sergio. Mais faut acteurs par exemple mettez tête ensemble tout pour voir que comment et nous plusieurs documents sortis mais parce ça premier bagage que nous défait dans sens ça c'est on dit que ou un document on dossier arrivé dans ministère tourisme par exemple un document c'est lui pour préparer un rapport alchita monyo pour connaître qui est à rapport. Est-ce que on marche à ce qui sur rapport ça qui document ont besoin pas gain ou porter ABC après mon nom d'où faut BCDZ. C'est tout on travaille et moi-même ça dérange sous grosse compagnie ça. Mm-hmm. La compagnie ça son maman compagnie
et l'homme garde moi misère que m'a pas accompagner ça pour l'entrée en Haïti li des fois bon la peine et c'est ce textile toujours c'est textile. Alors là vous voyez là si on va régler les questions bureaucratie ça la difficile pour améliorer le climat des affaires là climat pas, oui qui ça vient passer et li le plus souvent nous c'est comme si nous avons mur qui crase nous prend des blocs soit ne pas son peinture sous lit faut que son problème qui gérer à la base côté nous garder échelle là au monde la fond société c'est vraiment un casse-tête chinois. OK, en Chine oui société prend pile temps pour faire en Chine société prend 3 mois pour faire en Chine parce que yo pas voulu que n'importe monde vienne à n'importe qui l'argent ou tout pour la société avait dit c'est pas tant de problème là. Parce que Haïti, il prend, des fois, on dit jusqu'à 6 mois pour nous aider. Mais moi-même, comme dit l'MTO OCFI, nous avons des best case scenarios, des sociétés, nous avons fait dans 2 semaines, en 1 mois. Mais il faut ou bailler mon information préalablement. Ou dire, mais ça pour le préparer, c'est pas les 22 vont pour dire, lire l'autre dossier, le besoin. Qui vient faire un paquet d'éléments. Bon, ensuite, on a une infrastructure là tout, qui est très important parce que l'homme où on a venu, il est en Chine, il a tout à fait. Quand il est venu en Haïti, bon, pas de courant, pas de l'eau, pas de route pour aller dans la compagnie, ça c'est un problème. Ensuite, on a dit quatrième élément, c'est, et on ne peut pas penser ça, Haïti a plein, pas de job, Niveau, il faut nous augmenter le niveau. Ça veut dire que ça. Ça veut dire que ça. Le plus souvent, le moi gagne des compagnies ça au privé, il y a chercher des cadres. Et pas des fois, il est très facile pour joindre et mettre des techniciens travail pour eux. Mais pour joindre un cadre en Haïti, c'est génial. Des fois, il est compliqué pour compagnie ça. Ça veut dire qu'il y a plus de cadres de tout pas dans le pays à tout. Qui pas dans le pays à peut-être. Et là, moi, quand je dis, moi, au moins, j'ai trois compagnies là que m'a aidé chercher des mouns que, bon, des fois, me poster sur Twitter, des fois, m'essayer et garder comment me divulguer information. Mais c'est pour me dire que j'ai un job. Mais pas une qualification. Des fois, pas une qualification. C'est ça, parce que il y a plus de gens qui souhaitent un job, mais pas préparé pour qui pas préparé pour le job là. Oui, j'ai un travail. Au niveau, voilà, c'est des fois, mon app chassé 5 ans d'expérience avec des descriptions de poste. C'est là-bas où on dit waouh. Je prends temps pour me joindre à mon job. Vous comprenez? Mais des fois, mon app n'a pas là tout, mais il est dans un pays étranger. Vous avez arrivé à installer en Haïti? Ima a ouvert bureau en Haïti et c'est la raison pour laquelle que nous là dans le pays et c'est aussi pour bon voilà le monde a besoin et contacter nous que pas qu'on est que nous juste en Chine mais que peut-être yo ka rejoindre nous ici tout pendant un an qui sont quoi pour faire qui changer réalité moi j'aime faire business en Haïti moi pense résultat très positif et tant comme dit moi pas attendre moi ça et me connaît gain plus qu'a venir toujours et gan pile responsabilité pour IMA au niveau takoum du commerce même au niveau de par exemple accompagnement qu'a fait avec investisseurs chinois pour filtrer genre de relation et mission commerciale ça fait que gen plus que tomber qui fait pour pays hein? Et takoum du gon aspect pour encourager plus jeunes à prendre d'expertise chinois gan pile responsabilité et un an ça me dit au monde ka avec son jeune compagnie. Mais en pile bagay fait, en pile moun. Et yo dou, mes amis, c'est comme si son bon Dieu nous tape chachou au côté tant de ça, qui vient faire que, et ça fait me satisfait, l'heure que par exemple, ou prend un projet de zéro avec vraiment une idée pour que l'atterri, et c'est une satisfaction. Et Kounia, et ça m'a dit le début, pas vraiment de chita palé ça, qui fait avec public là. Et pour le connaître service là c'est au monde qui référé là il m'a bal service mais qu'on a nous voulait ouvrir porte nous pour au monde qui veut aller en Chine pour au monde qui veut acheter avec la Chine pour sou gain on idée pour si un groupe chinois t'a rentré en Haïti ou t'a même que nous contacter que nous même ou t'a remettre travail avec nous assez ouvert vous parlez tout pour encadrer les jeunes qui veulent faire business. Oui, oui. Et là, c'est vraiment garder, parce que je t'aime l'État ici impliqué là-dedans. Et c'est ça que je ne veux pas courir et parler de ça. Mais je vais regarder combien d'acteurs qui t'a monté à bord avec moi. Sur un projet vraiment assez, très, très, très intéressant. Et son groupe tête chargée au niveau de Thaïli en Chine, qui voulait, parce que Kounia
chinois voulaient quitter stade et n'a dit en puissance économique, mais voulaient qu'on ait des leaders. OK, côté il a encouragé soit dans des formations, soit dans des, ils voulaient vraiment positionner comme un leader mondial. Et dans quatre leadership ça, ils voulaient tout yo gon regard tout dans Caraïbes là pour aider Caraïbes à avancer. Et moi-même tant que moi très content et jouer rôle ça pour Haïti, essayer porter plus toujours et fait que voilà, un jeune li aller prendre des formations, c'est pas pour dire des formations que faut au monde pas, non, c'est on plateforme n'a prouvé à tout le monde si bon faut monde en qualifier bien sûr, ça très important, et aussi offrir plus opportunités de bourse d'études, pas seulement par gouvernement et chinois, que mon apprendre langue ça très important, parce que le monde rentre si on haïtien, bon on a ici son temps chez lui rentrer à Haïti, lui joue un travail, s'agit nous dans 2 semaines. Ah bon? Oui. Et puis l'opportunité? Puis l'opportunité. Il y a des gens qui cherchent. Ou bien des groupes là dans Côte d'Ivoire, ou bien des groupes dans Caracol, ou bien des groupes qui rentrent sous Port-au-Prince. Ils ont besoin. C'est ça qui fait si nous avons encouragé plus jeunes à l'apprendre de à l'apprendre langue mandarin. Hein? Et après, voilà, faire. Voilà, des va-et-vient pour apprendre l'expertise chinoise. Et pour moi-même, partie ça très important pour moi, si je peux servir rôle ça avec moi. Quel bureau avez-vous en Haïti? Dans Pétionville, et comme nous avons finalisé des structures légales avec l'endroit, beaucoup qui arrivent les adresses là, mais nous avons consulté nous après, nous avons website, nous avons tout bâillé. Et nous avons un site internet qui c'est www.imarbg. pour businessgroup.com, imarbg.com, ou bien vous pouvez écrire nous sur info@imarbg.com, ou bien relayer sur 38 65 62 76. 38 65 62 76. Bon, vérifier, bon, vérifier, bon, comme pour me bailler, on fait numéro. C'est fondamental. Ouais. Déjà, nous avons commencé avec un www.imarbg.com. Donc, il y a un site, puis téléphone 38 65 62 76. I was right. 38 65 5 62 76. Vous avez écrit nous. Et là, moi, bon, moi, 2 semaines que je fais en Haïti encore. Et le temps que je positionne quelques activités. Mais tant qu'on me dit, si on monde, comment il a voulu collaborer avec nous, et nous très ouverts. Il y a plusieurs volets, plusieurs aspects. Et 38, 65, 62, 76, vous pouvez rejoindre nous pour prendre rendez-vous et parler avec Iman. Parfait. Bon, après 2 semaines, vous la retournez à Haïti? Non, ça dépend. Parce que il y a des groupes, soit si mon travail, c'est quand moi obligé de rentrer, mais essayer de faire coordination, ça dépend. On va pour compte ou on dit? Non, oui, ça, bien quand on dit ça, et c'est des fois, les gens parlent, ils me disent, nous, pas pour comme. Non, pas pour comme du tout, moi, j'ai un staff. Et vraiment extraordinaire en Chine. OK, non plus des chinois, des haïtiens. Nous gain des chinois, nous gain haïtiens, nous gain, parce que ça me fait nous gain plusieurs monde dans plusieurs continents ou bien pays qui cherchent des clients stratégiques pour nous, soit que les clients en Europe, clients au Brésil, clients dans Caraïbes là. Votre gain plus que Haïtien. Ouh. On pile client République dominicaine bizarrement, hein. En République dominicaine, bon, Haïti et mais dit fenêtre là commence à augmenter, mais Brésil gagne des clients tout, mais n'a pas essayé vraiment augmenter pas limiter là avec une région, mais c'est vraiment augmenter cadre là pour tout le monde qui a besoin de services qu'à contacter nous, parce que nous offrons des services en plus que 10 langues, fait que tout le monde est assez à l'aise pour contacter nous. Et un peu longue équipe qui a avancé. Oui, ensuite bon équipe en Haïti tout, on parlait d'équipe en Chine, même bon équipe en Haïti tout. Que moi remercier yo konn ki est yoyé, et parce que l'homme tourné en grande Chine, c'est yo qui a assuré tout suivi qui pour faire pour Iman en Haïti. Et Marcus, moi mon chef de content parler avec vous. Merci en pile. Vous présentez pays à où? merci en pile. De jeunes peut-être qui croient que yo pa gagne au café, ou bien qui peut-être quitter mauvais la vie, faire ou perdre tête ou bien faire des choix qui pas plus s'il y a rien demain. Mais regarder choix ou faire et puis ça a conduit côté le conduit là. Définitivement. Donc créativité ou après son café pour bataille. Bataille. Là, bataille. Oui, mais c'est clair. C'est pas bataille ou pas dans bataille. Pas dans bataille, c'est ça. C'est mon cap bataille.
qui est capable de réussir. Et c'est pas pour ça. Pas quitter obstacle et limiter où. À tout un obstacle. Comme une forme de tout songer que c'est ciel là et limite. C'est limite. Et surtout là, c'est jeune. Ouais. Pas pour parce que avantage ou gain le jeune ou gon énergie qui pas même gens avec l'autre monde qui va. Jeune non parce que moi-même je lève à 5-6 heures du matin et mal dormi jusqu'à n'importe 11h minuit. Son gon énergie ou gon gens qu'on travaille différemment et des fois ou pour qu'on responsabilité c'est kounia pour faire définitivement c'est kounia pour faire la réalité là tu fais équipe possibilité au lieu de prendre Facebook là WhatsApp pour faire zin pour parler bah pas besoin voilà pour prendre et parler à faire monde parce que tu es capable d'utiliser la joindre des opportunités si vous avez des idées partager là avec des plateformes et kounia en Haïti là chargé des groupes qui veulent encourager jeunes ça et nous même dans au futur n'a bien pour nous parler avec jeunes ça davantage pour moi comment nous ca aider si yo un projet comment nous ca aider parce que moi même ça très important pour moi c'est éducation parce que me pense si me rive là kounya Serginho c'est vraiment parce que me dépend l'école là au sérieux pas gain l'autre parent pas gain l'autre pas gain route pas bois pas gain route pas bois et c'est encourager un jeune cap garder pour kembe l'école li et kembe étude li au sérieux et après pas gain route pas gain porte que le pape ca ouvert définitivement c'est ça Marcus Béron chaque BFM succès et bien merci merci en pile merci Serginho notre invité ce matin Marcus Béron de Ima Group pour nous garder expérience en Chine et puis garder comment Ima a pu installer là progressivement en Haïti. Merci tout le monde, surtout avec nous dans la matinée. Je souhaite passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À très bientôt.